Je m'appelle David Suc, j'ai 40 ans, j'habite à Épinal, je suis papa de deux filles et j'exerce le métier d'agriculteur depuis 2012. Au préalable et avant cela, j'étais agent d'entretien pérenne des rivières dans une collectivité, la communauté de communes de Volmaster, où j'ai appris à la fois d'être au service d'élus, d'être au service du territoire. J'ai pu mesurer évidemment l'intérêt d'avoir des employés et des responsables qui restent profondément humains. Et puis j'ai pu constater aussi combien nous avions besoin d'élus qui ont de l'ambition pour leur territoire, d'élus qui ont de l'ambition pour leurs habitants, et puis d'élus qui ont envie de faire changer les choses. Et c'est ainsi qu'en 2008, j'ai été élu conseiller départemental général à l'époque de ce canton de Volmaster. En 2015, j'ai été élu conseiller départemental du canton de Beach, ce qui nous a permis à la fois d'unir le territoire, de pouvoir soutenir l'ensemble des communes dans leurs investissements, de pouvoir soutenir l'ensemble des acteurs économiques dans une notion d'investissement, et puis d'être au service des habitantes et des habitants, parce que le département, c'est la collectivité de proximité, c'est une collectivité de solidarité. Et puis l'élu, par définition, doit aimer les hommes et les femmes de son territoire, parce qu'on est le premier maillon, on est le premier trait d'union entre les problèmes qu'on a à résoudre et puis les habitantes et les habitants qui sont dans la difficulté. J'ai été élu en 2020, président de la communauté de communes, ce qui me permet aujourd'hui, avec l'ensemble des collègues, de pouvoir organiser, d'être un acteur sur l'organisation du territoire du canton de Beach au travers du département et de la communauté de communes, puisque ce sont deux collectivités de grande proximité et très complémentaires. Et puis j'ai décidé, il y a quelques mois, que j'allais me représenter. On a constitué une équipe avec Sophie Pastor, avec Sandra Fabin et Robin Schall, à la fois pour représenter tous les territoires, nous avons besoin d'unité, à la fois pour avoir des élus expérimentés et puis des gens avec des expériences, des sensibilités différentes et complémentaires, et puis parce qu'on a la conviction que ce chemin doit être poursuivi, que cet élan doit être soutenu, et puis que nos habitants ont besoin évidemment de continuer à croire au Pays de Beach, de continuer à être défendus, et puis que le Pays de Beach doit continuer à peser au niveau du département de la Moselle, puisque le canton de Beach a quasiment obtenu les trois quarts des subventions qui ont été attribuées au territoire de Sarreguemines. C'est dire combien nous sommes dynamiques, mais il faut des élus qui mouillent leur chemise, il faut des élus qui soient au service du territoire et de leurs habitants. Et c'est ainsi qu'on a décidé ensemble de nous présenter au suffrage à nouveau et de continuer à écrire cette belle page du Beachland.